monde, on espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cinquième vlog avec nous. Aujourd'hui, on va aller au cinéma voir Clifford. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ce dessin animé. Depuis que je suis petite, j'aime vraiment tout ce qui est comme ça. Et le dessin animé Clifford, j'aime bien. Je peux pas mettre un extrait, mais je vais montrer c'est quoi le film. Je le mettrai ici. Et il est en film et j'aimerais bien le voir car je trouve qu'il a l'air pas mal. On a eu un problème. Ouais, à 5h du matin. On a eu un problème pendant la nuit. Mon papa, en fait, avec les problèmes de dos qu'il avait, on dormait tous les deux. Et on a entendu quelqu'un pleurer. Et nous, ça nous a réveillés. Ouais. Et en fait, il était couché, genre, devant la porte. Donc on ferme la porte, on va dire, et il était couché, il ne savait plus bouger, son dos était coincé et tout. Et je pense que son dos a vraiment coincé à ce moment-là, et ça nous avait vraiment fait peur. Et quand on a été près de lui, il ne comprenait pas, genre il avait mal, il criait, il pleurait. J'avais jamais vu mon papa pleurer, et je lui ai dit ça va, et ma maman est repartie dormir et mon neveu est parti le voir parce qu'il essayait de grimper par la rampe pour se mettre assis. Mais on lui dit mais t'es fou, tu vas tomber, parce qu'il était assis près des escaliers. On lui dit si tu tombes des escaliers on fait comment nous? Et il nous écoutait pas, il faisait que à sa tête. Donc après mon neveu est parti le voir parce qu'il était il a dormi en bas. Ouais il a dormi un peu en bas. Il a dormi en bas, donc il a été le voir si ça allait mieux, et il a dit oui. Et là, il vient de me dire qu'il marche comme il faut. Regarde, je vous montre là, c'est comme ça. Un peu mal aux dents, mais il marche correctement. Oui, il marchait mieux que comme hier, il était coincé. Mais voilà, ça arrive, mais ça fait une semaine et demie que ma maman lui dit « va au médecin, il n'écoutait pas. Donc voilà ce qui lui est arrivé, il fallait s'en douter qu'il allait avoir quelque chose comme ça. Désolée, j'ai pas encore vraiment récupéré ma voix. J'ai même pas encore pris mon médicament Arcovox pour ma voix. Et aujourd'hui, il y a ma mamie qui vient, mon papy, ma tante et mon tonton. Papy, c'est pas mon papy qui est décédé. Bah, malheureusement, il me manque tellement. Moi, j'avais plus de complicité avec mon papy qui est décédé, donc le papa de ma maman, le beau-père de ma maman. Donc la maman de ma maman s'est remariée avec un monsieur. Donc lui, ça fait longtemps pourtant que je le connais. Hein. Mais je n'arrive pas à l'aimer comme si c'était mon papy du côté de ma maman. Je l'aime bien, mais genre je l'aime pas, je sais pas. J'avais plus d'affinité avec mon autre grand-père que lui. Et comme genre ma mamie, le côté de mon grand-père qui est décédé, je m'entendais très très bien avec ma mamie Camille. Mais ma mamie Nénène, je l'aime bien aussi. Pourtant, c'est la maman de ma maman. Mais il n'y a pas d'affinité, je sais pas. Je me suis levée, il était 11h. Je vais devoir à 100... Je vais mettre préchauffer à 200, désolé pour mon vent. Je vais mettre 25 minutes et repousser. Je prends des Daily France et des croissants de la marque Café, je crois. Désolée hier si je ne vous ai pas fait. J'ai pas parlé dans mon vlog parce que j'étais malade. Non, il n'y a pas de bisous. Regardez. Ma maman et mon papa m'ont dit que ma mamie et mon papy viennent seulement l'après-midi. Donc ce qu'on va faire, on va manger. On attend que ça cuit, désolée pour ma voix. Et vers 4h10, on doit partir même avant voir Clifford. On va voir un deuxième film au cinéma. Et puis on mangera sûrement une paella. Pas fait de maison. Et parce qu'il y en a en surgelé, on va peut-être faire ça. Comme on ne sait pas à quelle heure ils vont retourner.
de me faire belle comme il y a ma mamie et tout. J'ai pas envie de porter ça, je trouve que ça va super bien. En montre du CeraVe. Je prends ma crème pour le contour des yeux. Mon sérum. Désolée, j'ai encore la voix cassée et ça me fait super mal. Ma crème de jour, Distelrich Today, à vous. Mon primer. Je vais faire la colo de ma maman. C'est la teinte chocolat, noir et béné, 200. Elle doit être belle celle-là. On va prendre le steam pod. Ouais. Je sais pas ça truc. Bah ouais, mais quand vous tout faire. Regarde. Tu veux y faire. On dirait. Tu vois la fille dans Scooby-Doo. Ouais, dans Scooby-Doo. Thank you.
Les guéris tous les anglais, là. Les anglais, là. Tu sais, les trucs. Les casse-moisettes, c'est ça. Ils sont comme ça. Les casse-moisettes, c'est comme des musiciens. Ah oui. C'est des poissons en bois. Oui, et alors. On a fait un gil, 400 euros. Et ils marchent, ils parlent, ils font de la musique. Ils chantent. Elles sont devant chez Trafic, à ma maison. Elles sont là devant. Mais pas pour voir, d'accord. Non, non, je ne sais pas. Les gens, ils achètent, hein? Ah, mais c'est si vous avez vu ça, il faut. Le marché noir à. Ça s'en va. Près de la Ah, mais il ne fait plus, là. Ah, oui, mais c'est des gens. Ah, ouais. Je ne pense pas que vous avez vu. Ça s'appelle des casse-noisettes. Ah, oui. Et ils décorent ça près de leur sapin et tout ça. Dehors. Près de la cour, ouais, près de la porte. Dehors, c'est dangereux, mais c'est bon, maman. Tu te mets ta main. Ça va être trop beau, Conny. Il est fou. David, vous voulez qu'on reste là, mais je ne vais pas laisser mon chien ici. Hein. Mais bon, je ne vais pas le laisser là pendant un jour et demi. Hein. Et là, on est reparti au cinéma pour aller voir Clifford le chien rouge. Donc, on va tous doucement aller au cinéma. Allez voir ça. J'en sais rien, un truc banal, reste naturel. Reste naturel. Ça suffit, pas bouger. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelle-toi, naturel. D'accord. Salut ma poule. C'est Maddy. Je suis ma poule. Pourquoi tu m'appelles ma poule? C'est un truc que je dis quand je... C'était trop cool. Trop bien, les gars. Clifford, c'était cool, les gens. Je vous promets, allez le voir. Vous avez vu, ils ont fermé les théâtres, ils ont fermé les cinémas, ils ont fermé les trucs de sport et tout. Oh, je suis choquée, franchement, c'est une catastrophe. Je vais préparer la paella avec vous. Dans une heure, il est 9h. Là, ce que je vais faire, je vais faire ce que ma coiffeuse m'a dit, de me relaver les cheveux et laisser mes soins reposer plus longtemps en racine, comme ils sont un peu couleur dorée. J'aime vraiment beaucoup mes cheveux crôlés comme ça me change vraiment. Voilà, je suis sortie de la douche. Elle m'a dit clairement de... Ah, faut quand même longtemps. Faut 4 à 5
de shampoing ou même un coulage si ça va pas mal de faire un coulage. Et comme mes racines prennent très très mal, elle m'a dit je vais le faire une fois, mais passe un bon shampoing dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est mon masque et mon shampoing produit mauve. On se quitte ici du vlog numéro 5. Nous, on se retrouve demain pour le dernier vlog. On se dit à demain. À demain. Bisous.